La Martinique, terre de champions, terre de bénévoles, terre de passionnés. Dans notre société en pleine mutation, où le bien-être, la santé et l'accompagnement de nos aînés deviendront les enjeux de demain, dans cette nature resplendissante, cadre de développement de nombreuses activités de plein air. Le sport peut aussi être un vecteur de richesse économique. On compte plus de 60 000 licenciés et plusieurs centaines de bénévoles dans les ligues et associations sportives. Pour se donner les moyens de son ambition, le Conseil régional a déjà débloqué une enveloppe de plus de 3 millions d'euros. Nous pensons que dans des axes tels que le sport santé, l'accompagnement des seniors par l'activité physique, la question du sport tourisme, voilà l'occasion pour nous aujourd'hui en Martinique, dans cette stratégie-là, de booster un petit peu la création d'emplois. Golfe des Trois-Îlets, piscine du Carbet ou encore l'hippodrome de Carrère, le Conseil Général investit lui aussi dans le sport comme moteur de développement économique et d'emploi. Ne serait-ce qu'ici à l'hippodrome où il y a une activité autour du cheval qui crée des emplois, mais c'est aussi le cas dans d'autres secteurs. À la piscine, il y a par exemple des maîtres nageurs, il y a des gestionnaires, des équipements. Donc il y a un fort enjeu économique puisque le sport peut être aussi une source de débouchés pour une activité professionnelle. Animateur, entraîneur bien sûr, mais pas seulement. Enseignant, dirigeant de structure et fonctionnaire territorial, autant de métiers qui font vivre le sport en Martinique. Des métiers auxquels formera l'Institut Martiniquais du Sport. Nous allons mettre en place progressivement différentes formations, donc qui vont passer par le secteur social, la santé, le tourisme mais aussi le haut niveau, pour justement faire évoluer le sport en Martinique. Nous pourrons dire à tout Martiniquais, tu te formes et tu auras un emploi. Et non, tu te formes et après nous verrons. Nous voulons vraiment créer ce lien. Un diplôme reconnu et une carte professionnelle renouvelable tous les 5 ans. Deux sésames délivrés par les services de l'État qui vous ouvriront les portes d'une activité rémunérée dans le domaine du sport. En avant, je nous fléchis. Ouais. Le diplôme en tant que tel ne suffit pas pour travailler. Pour travailler, il faut aussi obtenir une carte professionnelle. Et aussi, cette carte professionnelle est quand même très utile parce que c'est vrai que nos diplômes sont parfois un peu complexes. Et si demain, je vous dis, vous avez un brevet professionnel d'activité physique pour tous, peut-être que vous ne serez pas à même de me dire quelles sont les prérogatives de ce diplôme. Or, sur la carte professionnelle, sont bien explicitées les prérogatives du titulaire de la carte professionnelle. Un défi sportif, un défi économique, un challenge à portée de clic.